Bonjour tout le monde, bienvenue aux Trouvailles du Prof. Et cette semaine, plusieurs nouveaux jeux que j'avais pas du tout. Hein, c'est ça qui est bien. Et une console, oui, j'allais dire portable. Et une manette spéciale. On va dire ça comme ça, puis vous verrez bien après ça. Qu'est-ce que je veux dire par manette spéciale? Bon, j'ai pas beaucoup de jeux. Je sais que ça va faire, pas faire une vidéo très très longue. Mais c'est pas grave. On va commencer avec la console portable. Et je suis quand même content de l'avoir. Et c'est une Game Boy. Hein? Game Boy originale. Comme vous pouvez voir à l'arrière, j'en ai quelques-unes ici. Là. J'en ai deux grises, une jaune. Dans le modèle original, hein, ça veut dire le modèle fat hein, qu'on retrouvait avec 4 piles à l'intérieur. J'ai le couvercle, quelque part pour ça. Ce que j'apprécie de cette Game Boy, c'est sa couleur, étant donné qu'elle est verte. Il y a eu plusieurs éditions de couleurs, hein, une rouge, bleu, noir, transparente, verte, jaune, et la standard grise, si je n'oublie pas de couleur. Et j'ai l'intention d'essayer de toutes les récupérer pour avoir ma collection de Game Boy de couleurs différentes. Fait que ça, c'est mon premier achat. Une vingtaine de dollars plus les taxes, c'est quand même un bon prix. Deuxième chose que j'ai trouvé au village des valeurs et très très content de l'avoir trouvé, et c'est cette magnifique guitare. Je vais vous la montrer pour... c'est pas très efficace hein, comme ça, mais en tout cas. Magnifique guitare. Guitare Warrior of Rock. Hein, guitare pour la Xbox. Guitare sans fil. Là, comme vous pouvez voir, il manque peut-être le cordon, là, la strap, comme on dit, pour pouvoir jouer, mais inquiétez-vous pas, je l'ai justement là-bas. Étant donné que le petit défaut de cette guitare, c'est ici que la pin est cassée, mais avec un peu de colle Crazy Glue, hein, on va pouvoir la réparer. Mais c'est une très belle guitare qui m'a coûté seulement 5,99$ au Village des Valeurs. C'est une guitare qui va en valoir facilement. Une cinquantaine de dollars quand je la vends dans quelques années. Mais vraiment, je l'ai essayé, elle va très bien. Et justement, pour accompagner cette guitare, j'avais déjà un jeu qui était le Guitar Hero 3, hein, Legend of Rock, si je ne me trompe pas. Mais j'ai réussi à mettre la main. C'est pas compliqué, on s'entend que des Guitar Hero, il y en a plein. Là. Mais j'ai quand même mis la main sur un Guitar Hero World Tour. Ça fait que très bonne musique là-dessus. Et ce qui est agréable, c'est qu'on peut jouer autant avec la guitare, le micro que le drum. Ça, c'est bien. Il est complet, livret et tout. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est dans une promotion que je vais continuer à vous montrer qui était 5 jeux pour 20$. Ce qui veut dire ce jeu-là, j'ai payé 4$. Ce qui est un prix correct pour ce jeu-là. Je veux dire, on est peut-être possible de le trouver moins cher. Mais quand même, je trouve que c'est un jeu que j'ai pas payé quand même trop cher. On va essayer de se prendre une petite gorgée. Ça fait du bien. Par où que ça passe? Par la suite, toujours dans la même promotion de 5 jeux pour 20$, 4$ le jeu, j'ai ici Borderlands 2. Hein, j'avais déjà le premier. Là, je me retrouve avec le deuxième. Un jeu que j'ai pas joué en tant que tel, au premier ou au deuxième, mais je me doute un peu du style. C'est un jeu qu'un jour, oui, je vais prendre le temps de jouer et de faire peut-être même une vidéo. Ici, on retrouve Kingdom Under Fire Circle of Doom. Hein, un jeu de la Xbox 360, toujours jeu mature,
un jeu qui fait un peu style Moyen Âge, super, pas super-héros, mais les héros guerriers et magiciens, le style un peu plus Seigneur des Anneaux, hein? Toujours avec les elfes, les méchants, les bons. Fait que ça, sûrement que ça va être un bon jeu si c'est bien fait. Moi, parce que, étant donné que mon jeu préféré, c'est Skyrim, ben si c'est un peu dans ce style-là, je serais bien, bien content. Hein? Mais on verra bien. On verra bien. Jeu rétro, hein? Friday the 13th, hein? Vendredi 13, avec Jason. Jason, je sais pas s'il donne son nom de famille, je me souviens plus du nom de Jason. Destroy Jason if you can. Fait que, un jeu supposément très difficile. Ben, déjà que quand on voit le petit logo, comme vous pouvez voir lui, là, le petit logo avec l'arc-en-ciel, ça inaugure pas très bien. Parce que habituellement, c'est pas des bons jeux quand c'est ce petit logo. Et un jeu que je suis content d'avoir pogné pour 4$ dans la promotion. Parce que techniquement, normalement, il se vend pas 4$ ce jeu-là. C'est Dr. Mario. Hein? Je l'avais déjà en Game Boy. Je l'ai peut-être même juste à côté. Ouais. Je suis en train de fouiller ben là dans les Game Boy. Là. Je l'avais aussi en Game Boy. Attendez. Tant qu'à faire le Game Boy, peut-être que j'avais essayé. Non, je ne sais pas. Malheureusement, je le vois pas. Mais je l'ai quand même ici parce que c'est quand même un bon jeu. Je suis content de l'avoir. Sûrement que je vais vous le faire en vidéo, ce jeu-là. Pas trop compliqué. Je l'ai en Game Boy aussi, mais ça. Un jeu de Dr. Mario, un jeu de Mario. C'est un jeu de Mario. Il y a plein de jeux de Mario. Ça existe. Il y en a partout, les jeux de Mario. Nintendo ont exploité au maximum cette franchise. Mais j'adore. Par la suite, on a plein d'autres choses. Je ne me souviens plus vraiment des prix. Je sais que le prochain, c'est une promotion. C'est des jeux à 15$, ouais. 15$ et le deuxième est à moitié prix. Ça fait que je vais y aller pour lui qui m'intéressait de payer 14,99$. Et c'est celui-ci. Qu'ils ont la trilogie hein, sur PS3. Ça fait que c'est les jeux. C'est sûr que le qu'ils ont un, c'était le qu'ils ont dans la PS2, ça fait que j'espère qu'il est, il doit être ouais, remasterisé en HD avec des trophées. Le 2 et le 3, ben, c'était déjà des jeux HD qu'on retrouvait sur PS3, j'y possède aussi. En fin de compte, j'y possède toutes les qu'ils ont de 1, 2, 3, j'y possède, c'est ça que je veux dire. Et ici, on les a en trilogie. Personnellement, moi, les compilations comme ça, c'est quelque chose que je recherche vraiment à collectionner parce que je sais que c'est sûrement des jeux qui vont prendre beaucoup plus de valeur que 15$. Ça, c'est certain. C'est sans aucun doute, il y a 3 jeux là-dessus. Là. Il y a 2 CD. Hein, puis il y a un jeu, il y en a là-dedans que c'est le premier qu'ils ont qui a été remasterisé. Ça fait que on va le jouer uniquement là, sur cette compilation-là. À mon avis, dans 20 ans, c'est quelque chose qui va valoir plus que 15$. On s'en reparlera dans 20 ans. Par la suite, pour combler la promotion, ben, je suis tombé sur Devil May Cry 4. Et ce que j'aime, ben, c'est déjà une série que je collectionnais. J'avais déjà le 4, mais j'avais pas le coffret comme celui-ci en steel, hein, en métal. Avec bien sûr le coffret, il y avait en plus un autre manuel plus long. Ça, c'est des manuels des fois qui arrivent qu'on ajoute dans l'emballage. Mais qui ne rentre pas dans la boîte, malheureusement. Et vous rentrez à l'intérieur, livret plus 2 CD, un CD bonus, avec plein de choses qui sont marquées à l'arrière. Un volume 1 de 4 longs épisodes, de Devil May Cry, Ultimate Series, 2 heures de contenant, apprendre des choses sur le monde de Devil May Cry, une galerie d'art, game soundtrack, making of video, exclusive PC content. Des choses plus ou moins intéressantes pour moi, mais ça reste une question de collection. C'est que Devil May Cry, hein, dans son caisse métallique,
Ça fait toujours plaisir, étant donné que j'aime bien collectionner les éditions spéciales des jeux, parce que c'est eux qui vont valoir plus cher techniquement plus tard. Puis j'ai quand même payé juste 7$, étant donné qu'il était à moitié prix, parce que j'ai profité de la promotion. Et on tombe dans du beaucoup plus récent, PS4, hein, mais PS4, les jeux sont quand même très accessibles, surtout quand ça fait un an que le jeu est sorti. On a juste à penser à un autre Killzone, hein, Killzone Shadowfall, un jeu qui a coûté 14,99$, toujours complet, j'allais dire complet, mais ça reste toujours une espèce de mystère, là, les... Vous voyez, les livrets, ça, c'est pas un vrai livret, là. C'est juste essai de 7 jours, des codes, là. Puis qui est même plus bon. Il s'est terminé en 2014. Je vais pas vous donner des mauvais codes. Ça dure jamais longtemps, les affaires de grand ligne. Mais c'est quand même un jeu quand même récent. C'est un jeu qui est sorti en 2013. J'avoue qu'on est dans 2015, là, mais c'est un jeu qui a pas plus que 2 ans. Ça, c'est certain. 14$. En plus, toujours en profitant de la promotion, ben le jeu suivant, ben il me permettait d'avoir le jeu pour l'autre d'après, le deuxième jeu à moitié prix. Et je me suis retrouvé avec Call of Duty Ghost. J'ai pas encore essayé, hein, c'est pas mon style de jeu. Ben, j'aime quand même, moi j'aime les jeux de shooting. Sans faire, je suis bon là-dedans, je me débrouille bien. Sauf que ça reste toujours une question de scénario. Last of Us, j'ai adoré ce jeu, je vous aurais fait une review, mais étant donné que j'ai pas trop gossé là-dessus, j'ai pris beaucoup de captures vidéo, mais j'ai jamais pris le temps de voir si je pouvais les mettre sur une clé USB afin de faire un montage vidéo, parce que j'ai fait surtout des petites captures de 15 minutes, mais quasiment pour tout le jeu complet, et c'est un excellent jeu, hein? Même pour le DLC avec Ellie, même le Game Plus qui est quand même intéressant à essayer, surtout si on change le niveau de difficulté. Mais en tout cas, Call of Duty, 7,50$, pour moi, c'est raisonnable. Et mon dernier, hein, et non le moindre, aussi un jeu qui a déjà plus d'un an, Watch Dogs, jeu sur PS4, hein, payé quoi, 19,99$. Non, je crois que j'ai payé 24,99$. Hein. J'ai payé un peu plus cher, mais c'est un jeu que j'espère que je vais avoir du plaisir pour 24,99$, c'est ça, hein. Ça fait que c'est tout pour les trouvailles de la semaine. Et ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et comme vous pouvez voir, plus ça va, plus ma collection grossit. Et qu'on va continuer à grossir. Parce que j'ai pas l'intention d'arrêter les vidéos. Ça fait que... Merci de m'écouter. Hein. Si vous appréciez, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, de nouveaux commentaires. Et ben, le prof vous dit à la prochaine vidéo.